amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc, on est le 31 décembre. Donc, c'est le jour du réveillon de Nouvel An. Donc, voilà les amis. Vous me voyez comment? Je vous avais dit, les amis, hein, qu'on peut mettre les lunettes de soleil en hiver. Donc, voilà, je suis là avec les lunettes de soleil en hiver. Regardez-moi ça. C'est pas bien ça? Franchement, j'aime bien mes lunettes. Elles sont très belles. Ouais, donc là, on est en train d'aller faire les courses. Hein, pour le réveillon. Ah là là. Moi, je suis une spécialiste de dernière minute. S'il y a un concours pour les gens qui font les choses à la dernière minute, moi, je pense que je vais gagner. Hein. Je vais gagner. Hein. Et toi, tu penses que tu peux gagner ou pas? Je te laisse la place. Tu me laisses la place? Non. Oh, c'était pas mieux tout quand même. On est des spécialistes de la dernière minute. Là, on vous retrouve, il est 16h, il est 17h moins 7 minutes. Donc voilà. Après, on va pas prendre beaucoup de choses. C'est quelques trucs qu'on doit prendre. Donc voilà les amis, du coup je vous retrouve et voilà pour cette soirée, hein. Ça va être une soirée. Hein. Tout à l'heure, chargée, oh non, tranquille. Après ce que je vais faire, il n'y aura pas grand chose. Hein. Je ne vais pas préparer des choses compliquées. Je vais faire des choses simples, je vous montrerai. Et voilà, et tout à l'heure je vous ai filmé une vidéo. J'espère, je vais la mettre après cette introduction. Et j'espère que vous allez aimer. Je vous laisse deviner ou aller regarder, continuer la vidéo. Comme ça, vous allez voir de quoi il s'agit, les amis. Donc, du coup, là, on va faire vite fait nos courses. Il n'y a pas grand-chose à prendre. En tout cas, j'ai noté, il n'y a pas 10 choses à prendre. Voilà, les amis. Du coup, on se dit à tout à l'heure. Attendez, je vais vous montrer comment il fait beau. Regardez comment il fait beau, les amis. Franchement, il fait beau. Il fait beau, 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 beau. Bon, les amis, on a fini. On avait prévu d'aller en ville faire un petit tour. Mais là, ça s'est rafraîchi. Tout à l'heure, je disais, il fait beau. Il y a du soleil, machin. Mais là, ça s'est rafraîchi. Avec les enfants, du coup, on décide de rentrer à la maison. Et comme ça, au moins, on restera au chaud. Du coup, let's go à la maison. Hello. Du coup, là, bébé va prendre sa douche. Aujourd'hui, on a décidé de le faire dans la journée. Du coup, regardez ce que j'ai choisi pour elle aujourd'hui. Donc, elle va mettre ça. Trop mignon, trop mignon. Il va mettre les chaussures aussi aujourd'hui. Donc voilà. Et il va mettre des collants. Il va mettre des chaussettes. Du coup, je vous montrerai son look quand il aura fini de s'habiller. Donc papa est en train de préparer. Oh là là, bébé tous. Molle. Donc, attendez, je vais la prendre. Du coup, je disais que papa est en train de préparer l'eau. Comme ça, c'est papa qui donne le bain. Coucou! Coucou! Du coup, bébé a fini de prendre son bain. Donc, elle est en train de jouer. Donc là, papa va continuer. Hein. Du coup, papa va l'habiller, mettre sa robe. Je vais vous montrer. À tout à l'heure. Donc, voilà. Bébé est en train de mettre sa robe. En tout cas, papa, il gère bien. Hein. Vous savez, les amis, depuis qu'elle est née, je l'ai douchée une fois à l'hôpital, une fois. Et c'est toujours papa qui donne le bain. Et les amis, du coup, papa l'a mis au dos, non, sur le ventre, pour attacher les boutons, là. Et elle aime bien. Regardez, elle est toute belle, ma pépette. Et là, elle a commencé à dire ses premiers mots. Le moment avec
C'est ma plus belle bébé du monde entier. Non, c'est mon bébé. Hé hey. Ah bon? Du coup, bébé, elle a l'air d'aimer être sur le ventre. Oh, elle est toute belle, ma pépette. Regarde, elle a mis ses chaussures. J'ai appuyé. Donc voilà la madame. Oh, elle est toute belle. Elle est toute belle. Elle va enlever les chaussures. Regardez. Elle va enlever les chaussures. Faut garder les chaussures, bébé. Hein. Du coup, elle a rajouté les chaussettes. Regardez ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. C'est trop mignon, trop chou. Je suis trop fan. Coucou, on se retrouve après. Du coup, on est parti chez l'Africain. On a pris les arachides, on a pris le manioc et j'ai pris quoi d'autre? Les brins plantés. Donc là, je suis en train de ranger les courses parce que depuis, je n'ai pas pu les ranger. Je vous montre les crevettes que j'ai achetées. Franchement, c'est des grosses crevettes. Regardez la taille, les amis. En plus, j'ai pris beaucoup. J'ai pris beaucoup vraiment. J'ai pris 1,365 kg. Franchement, c'est des grosses crevettes. Du coup, ça, je vais les utiliser demain. Demain, je vais faire la branche tranquille à la maison. Donc voilà. Donc là, je suis en train de manger les courses. Ah oui, je ne vous ai pas montré le poisson, mais je voulais. Ah ouais, j'ai mes framboises, on les a écrasées. Je vous montre le poisson. En tout cas, le poisson aussi, on a pris beaucoup, mais on ne va pas tout manger. On va garder et ça va nous rester pour les autres jours. Alors, en tout cas, des belles morceaux. C'est la perche. Donc, j'ai pris deux morceaux comme ça de perche. Donc là, ce que je vais faire avec, je vais faire les brochettes. Les brochettes, la purée de pommes de terre. Voilà, je ne vais pas me casser trop la tête. Donc du coup, les amis, je vais ranger les courses et je vous retrouve après. Les amis, je vais vous montrer les arachides qu'on a pris. Donc c'est des arachides comme ça. On les a déjà bouillis. Donc, on a bouilli, on a mis du sel. C'est comme l'apéritif. Donc ça, c'est différent avec ce que j'ai fait la fois passée. Ce que j'ai fait la fois passée, c'était des arachides grillés. Et ça, c'est frais. Attendez, je vais vous montrer. Quand on ouvre, donc ça fait comme ça. C'est trop trop bon. Oui, Titi. Mais c'est trop trop bon. Comme ça. Donc voilà. Bon, les amis, je suis prête. Donc là, je vais commencer à faire le poisson. Il y a les pommes de terre. Ça va? Oui. Oui. Donc il y a les pommes de terre qui sont en train de cuire pour faire la purée. Et je pense que je vais vous montrer comment je prépare le poisson. C'est pas très compliqué, hein. C'est très très simple. Du coup, mon mari il est en train de faire les crevettes. Donc pour demain, comme ça sera fait. Et il y a les enfants, ils sont vraiment sages. Ils sont en train de faire le puzzle. Le puzzle. Mon grand, il était en train de faire le puzzle de Noël qu'on avait fait à le Père Noël. J'ai déjà partagé dans une vidéo. Et mon petit, lui, il s'occupe.
Donc du coup les amis, let's go pour préparer le poisson ensemble. Donc là, ça c'est mon premier, il est en train de faire ça. On lui a demandé d'essayer de le faire tout seul parce qu'il n'a jamais fait tout seul. Mais là, il se débrouille pas mal. Du coup, on verra. On lui a dit, s'il a besoin, il nous dit comme ça, on va l'aider. Et mon deuxième, il est là. Il s'occupe. Il s'occupe comme il peut. Il est là, il s'occupe comme il peut. Voilà. Et les crevettes sont là. Monsieur travaille. Voilà, ils sont là. Vraiment, c'est des grosses crevettes. Hein. Waouh. Vraiment des grosses. Bon, du coup, let's go à la cuisine. Préparer le poisson. Donc, les amis, du coup, là, il y a les pommes de terre pour la purée. Et les poissons, c'est ça. Je pense que je vais utiliser... en sel, parce que les deux là, je trouve c'est gros. Comme ça, je vais utiliser un sel. Et je pense que je vais couper, hein. C'est mieux. Hein. Donc, je vais couper en 4 morceaux, je pense. Hein. Et là. Voilà. Et après, je vais faire. Qu'est-ce que je fais en deux parties? Ouais, et là, je vais faire en deux parties. Du coup, j'ai fini de les sécher et là, je vais commencer, en fait, je vais mettre de la farine et commencer à les frire. Donc là, je vais mettre du beurre. Donc, j'ai pas anticipé, du coup, j'ai commencé à mettre le beurre au lieu de commencer à fariner mes poissons. Donc là, je vais fariner les poissons, comme ça, ils vont pas coller. Et là, go dans le beurre. Du coup, j'ai sorti les oignons. Du coup, je vais couper l'ananas
et griller l'ananas qu'on va accompagner avec le poisson. Voilà. Donc, je vais mettre un peu de beurre. J'ai coupé. Donc, je vais venir les griller. Les oignons, ils sont là, je les ai sortis, après je vais les remettre là-bas et je ferai la sauce pour accompagner le poisson. Donc là, les ananas, ils sont prêts, donc je vais venir les enlever. Donc j'ai remis les oignons, du coup je vais venir mettre... l'ail. Donc je mets ail et je vais mettre gingembre, un peu, pas beaucoup. Et un peu de gingembre. Un peu de moutarde. Oui. Maman, regarde, j'ai avancé, belle. Donc, juste un peu de farine. Et je vais rajouter de l'eau. J'espère que ça ne fera pas d'autre main. Donc là, je vais rajouter du sel et c'est bon. Et la sauce sera prête pour accompagner le poisson. Et là, mon mari, il va faire la purée. Du coup, dans la purée, on met du sel, du beurre et du lait. Voilà. Bon, du coup, les amis... On a fini de préparer. Là, il y a le poisson avec les ananas, il y a du citron, voilà. Et là, il y a la purée. Et là, c'est la sauce. Donc, voilà les amis. Du coup, c'est ça. Hein. On va commencer à préparer la table. Après, on va manger. Et après, on va attendre le réveillon. On va attendre à minuit. On va attendre l'année 2024. Les amis, je suis fière de mon fils. Il a réussi à faire le puzzle tout seul. Il lui manque ça et ça, on les a perdus. Franchement, je suis fière de lui. Bon, les amis, la table, elle est presque finie. Donc voilà, en toute simplicité. Du coup, on va continuer. Je vais continuer à mettre la table et après on va passer à table. Donc voilà mon assiette, les amis. Alors qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je pense que je vais me régaler. Je ne sais pas encore au goûter, mais je pense que je vais me régaler.